Salutations à tous et bienvenue dans Motor Vector. Et bien voilà, c'est mon tour, ça aussi c'est pour moi, c'est le Cayenne, la pompe à eau qui est en train de lâcher. Ça fait toujours plaisir. J'étais un peu inquiet parce que bien sûr, quand tu vois du liquide qui coule sous la voiture, ça fait jamais plaisir. J'ai ouvert le capot, ça sent le liquide. Pourtant j'ai bien la facture avec les durites qui ont été changées en alu, voilà, durites de refroidissement. Devant là il y a des taches, voilà, ça a giclé, ça a l'air d'être bien la pompe à eau vers sa poulie, il y a même un peu du jeu je crois dedans, on va vérifier. Donc du coup, je vais faire ça, a priori ça prend une ou deux heures, peut-être moins pour ceux qui se débrouillent bien. Il y en a qui démontent tout autour, moi je vais essayer d'en démonter le moins possible. Pour vous dire, le Cayenne là il a 277 000 et des brouettes. Et pompe à eau, hein, comme beaucoup de choses, je vous ferai le bilan bientôt. Bien évidemment, si jamais ça vous intéresse de suivre l'aventure de ce Cayenne, des petits tutos sur le côté, de nettoyage, des trucs à pas cher, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like si cette vidéo vous plaît, un petit commentaire également si jamais vous avez des questions. Allez, on va regarder tout ça. Je suis souvent, vous verrez, je suis souvent moins motivé au début qu'à la fin, si j'ai réussi, voilà, parce que j'ai toujours peur quand même de faire une connerie. Comme je dis, moi je suis pas du tout mécano à la base, et à chaque fois c'est un peu un défi pour moi de faire ça, et du coup, je le partage avec vous, quoi. Voilà. Voilà, l'antre de la bête. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir, tu vois, ça a giclé là, là. C'est super beau, hein. J'ai un test de nettoyage, les amis. Et en fait, donc voilà, a priori, en enlevant le cache ici, j'avais vraiment peur que ce soit les durites en dessous, là. Et là, tu vois, on voit qu'il y a un peu d'eau, ça a coulé ici, et ça a rebondi là un peu, et normalement, la pompe à eau, elle est juste là en dessous, là. Ici, on voit sa poulie, normalement, est-ce que... Voilà, elle est juste là. On enlève l'habillage. On va enlever le manchon des boîtes à air, tac. Et déjà, on va y voir plus clair. Normalement, on a la poulie enlevée. Donc, celle qui était derrière, que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là, trois petites vis, une là, deux et trois. Il vaut mieux les amorcer poulie tendue. Et je crois que là, en bas, voilà, lui, ce gros truc de 32, lui, c'est le tendeur. Donc, le tendeur, il faut mettre la clé en gros comme ça et aller dans le sens des aiguilles d'une montre, clac, on le détend. Normalement après on a 8 boulons, on sort la pompe à eau, on remet la nouvelle avec le joint et voilà. Bon, j'ai acheté du liquide, si jamais j'ai la force de purger ce qui reste de l'ancien. Ça peut pas faire de mal malgré que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui s'est déjà barré, on va pas se mentir. La pompe à eau, elle est là, ça vaut 35 balles, donc franchement je pense qu'il n'y a pas de quoi se priver de la changer. Voilà. Elle est nickel. Tac, il y a le joint qui est dessous. Il faut y faire très attention parce qu'il est en métal. Donc de ne pas le plier, n'est-ce pas? Voilà. Le baby joint qui va dessus. Tac. Et celle-là, c'est vrai que normalement, tu vois, c'est vraiment libre. Ça tourne tout seul, sans forcer. Pas un bruit. Voilà, on va donc voir quand on aura sorti l'ancienne et on va voir s'il y a du jeu aussi sur l'axe de la pompe à eau. Bon les gars, j'en suis venu à bout, il m'a fallu quand même une bonne demi-heure. Voilà, donc là j'ai sorti la poulie, en fait, ce qui tient la courroie. Pour la sortir, quand on veut tirer, ça vient pas. Donc j'ai pris un petit bout de bois là avec une planchette avec le maillet, taper doucement pour l'incliner, la faire tourner, retaper, la défaire en fait. Parce qu'à l'intérieur vous avez la platine de la pompe, mais en vérité c'est qu'elle est à l'intérieur ici là. Elle rentre. Et du coup là c'était sympa quoi. Je vous montre un peu ce que ça donne. Parce que je suis quand même sympa quoi, tu vois. Je pense à vous les agneaux. Alors regarde un peu. C'est sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une pompe à eau toute rouillée. On a un roulement qui a l'air de bien fuir. Quand je tourne ça couine. Alors
parlera plus maintenant bien sûr, mais tout à l'heure ça couinait. Voilà, allez on continue, on va la sortir. Je sais qu'il y a 8 boulons derrière de 10. Donc on va essayer de se sortir ça sans tout démonter. Je sais qu'il y a une petite platine en haut là qui est un petit support à faire attention. Voilà, écoute, l'aventure continue. Bon les gars, voilà, j'ai réussi à enlever tous les boulons. Petit conseil, si comme moi vous êtes novice et que vous avez peur, parce que des fois c'est vrai que les vis elles sont pas forcément là, pour nous sur le Cayenne elles sont toutes de la même taille, mais des fois il y en a des plus longues que d'autres, ou voilà des un peu plus courtes, celle-là on voit qu'elle est un peu plus courte que celle-là, donc si jamais vous avez un doute, moi ce que je fais c'est dès que j'enlève un boulon, je viens le replacer à sa place sur la neuve, voilà comme ça je suis sûr que quand je vais la remonter je sais où ils vont quoi. Ça y est, c'est bon, elle est là, elle est sortie, elle est dégueu. Elle est dégueu, elle est rouillée. Quand elle tourne, elle fait du bruit, elle est. Voilà. Je sais pas, on va voir de quand elle est ensemble. Je crois qu'il y avait des numéros par là, c'est ça. Germany. 04. Bah je crois qu'elle est de. Putain mais ça je comprends pas ça. Bon si quelqu'un arrive à me dire, je vous mets les numéros. Si quelqu'un arrive à me dire de quelle année elle est, c'est beau. Parce que là, attends, je cherche s'il y a un autre tableau avec les flèches ou quoi. Bon, voilà. Je sais pas si avec ça, on arrive à savoir ou pas. De toute façon, on s'en fout. Elle est pourrie. Elle part à la poubelle, quoi. Bon bah voilà, j'ai tout remonté quasiment, je suis bien content. Je vais faire le démarrage pour voir si tout se passe bien, si ça fuit pas. Voilà, il me reste deux connecteurs à brancher, que je m'en vais brancher de ce pas. Tac, là normalement il y avait un petit support, mais il est cassé bien sûr. Tout ce qui est bien, tu vois, de faire les trucs sur sa voiture, c'est que du coup tu découvres toujours des trucs. Mais au moins t'es sûr de ce que tu fais et si jamais tu fais une connerie, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et pas dire ah le garagiste, l'autre connard il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou il a pas fait ci, ou il a pas fait ça. Voilà, tu checkes bien tout, tout est bon. Bon bah allez écoute, hein, je vais mettre du liquide. Voilà, allez, je vous laisse vivre le démarrage. Ça fait plaisir. Bon bah ça a l'air de bien se passer là-dedans. Les amis, nous sommes au terme de cette vidéo. Je vous ai pas filmé la partie remontage parce que bon bah c'est la même chose à l'envers. Il a fallu une clé de 32, un cliquet de 8 avec une extension. Voilà, un tournevis plat, quelques outils de base, mais ça s'est vraiment très bien passé. Il fait un peu chaud, on a eu chaud, on a soufflé, c'était dur. Mais voilà, on est bien. Il est 16h, on va aller se rincer. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Motor Vector, les aventures qui continuent. Allez, à plus, ciao tout le monde.